Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Ours, j'allais dire House of Light, oui aussi, mais pas encore. Comme je disais en off, on n'a pas encore eu l'objet pour, donc du coup il arrivera peut-être en début d'année. Un ingénieur, forge, sky et lanterne. Forge, sky et lanterne. Pas bien convaincu, hein. Globalement, c'est pas des trucs qui nous gênent trop. Il y aura éventuellement là. Éventuellement. Il a 4, c'est ça? Ouais, il aura 4. 7. 7, et si on avait le souvenir à 4 de Sky, il serait à 11, mais ça nous coûte 24 balles, quoi. 24 balles, sachant que du coup, on a Mr. Kyle. Qu'un sky à 1. Est-ce qu'on peut générer 3 sky? Genre avec de la bouffe ou un truc du genre. Il n'y a pas beaucoup de nourriture de type sky, semble-t-il. Alors là, il y a des plantes, mais il peut pas travailler avec des plantes, il peut travailler avec du wood. Et en termes d'outils, on a un outil qui fait 1. Ah non, en vrai, 11 de Sky, c'est pas simple, hein, donc on va le recruter. C'est parti. Alors ça va nous faire 3 personnes dans la journée, dont le souvenir compliqué. Non, on va pas la recruter. On verra demain, mais... Là, c'est peut-être un peu tendu. Là, on a déjà 2 personnes. On est quand même morning. Il faut qu'on régénère les souvenirs en plus à chaque fois. C'est quand même pas fait. Alors, toi, du coup. On a dit qu'on montait ton Winter. Est-ce qu'on a un outil de type Winter? Je crois que non, hein. C'est pas un outil, hein, non. T'en branles de ça. On est d'accord. Non, merde. Reviens là. Donc là, non. Et on peut lui filer un petit verre d'eau en attendant que le souvenir se fasse. Toujours ça te prie. Et le bronze knife de type Winter. Parfait, il me semblait bien qu'on avait un truc. Allez. Alors là, on ouvre et on trouve une Winching Tisane. Ok, très bien, pourquoi pas. Vendu pour une Winching Tisane alors, hein. Voilà. Ensuite, toi du coup, on a dit on va te filer le couteau. Tu seras à 7 plus les 5. Tu seras à 12, c'est ce qu'on voulait, donc parfait. On récupère ça. Alors j'aurais dû le lancer dessus pour le consommer et pouvoir le régénérer, c'est pas grave. Et ça, 12, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ça m'embête de pas pouvoir utiliser ces souvenirs, là. Il nous en manque un, quoi. J'espère qu'on va trouver des livres. C'est pour ça que j'essaie d'ouvrir un peu les salles en hauteur, entre guillemets. Allez. Hop. Toi, c'est bon, on va te lancer direct avec ça, comme ça on peut se relancer dans la lecture. Hop, alors du coup ici il n'y a pas grand chose qui pouvait lire, donc on va lire là plutôt. Là on peut lire avec un petit short de base, et il nous faut le langage. C'est parti. Toc. Donc là, il va être prêt. On régénère le souvenir pour le recteur.
Et qu'est-ce qu'on a ici? On a récupéré de l'eau. Parfait. On a récupéré de l'eau. On va la pour out. Est-ce qu'on se refait? Alors, au-delà du truc comme ça, non. Là, on est au printemps. On pourrait faire un petit peu de. Un petit peu de culture. C'est parti. On n'a plus d'autres elfes. Hein. Ouais, non, ils sont déjà Tu as attrapé 32. du voisin, c'était marqué. C'était marqué que je pull out from wine, mais pas forcément du raisin. Ici, on met un chore. Pour ramasser un peu de sous, parce qu'on a besoin de sous là. On en consomme plein. Vas-y, le deuxième, parce que le verre il prend moins de place à stocker que la cruche. Là. Voilà. Coller un peu plus, non? Voilà. Parfait. Ok, c'est pas mal, on a pas mal consommé. Ah, on a terminé cette leçon. Okay, on va regarder après. D'abord, on va travailler. Alors, toi, du coup, on voulait du nob. Le souvenir, il est en cours. Le souvenir, il est en cours. On a dit qu'il y avait des trucs pas inutiles là, genre un petit pot de miel. De passer à 5. C'est parti. Déjà que ça travaille. Toi, du coup, tu peux aller ouvrir la pièce. Là. Et donc, le livre. Qu'est-ce qu'il disait de beau? Ah oui, c'était le registre des prisonniers, c'est vrai. Ok, très bien. Ça m'a l'air encore un truc à la con. Quelqu'un qui est appelé Single Foot, le pied unique. Bestiole des montagnes avec des cornes et ramené depuis un genre d'ambassade par l'ambassade des Groove of Green Immortals et Colers n'est pas content parce que Jervinus Van Loren refuse d'assister, de l'aider à contenir la créature. Parfait. La créature, d'accord. La créature a conjuré un tremblement de terre qui a cassé la tour et qui lui a permis de s'échapper. Colors détermine qu'on n'aurait pas dû lui permettre de rêver alors qu'il était en dessous de la terre. Il a accès à suffisamment de scale pour utiliser son art de Illamph Hollow et développer un Ultmament et le transformer en tremblement de terre. Ok, très bien. Et donc du coup, pour tous les enfants des montagnes, désormais, ils devront être confinés au-dessus du sol. Parfait. Et du coup, on a un Memory Salt. Tiens, c'est rare ça. Et c'est pas ouf au passage, mais... Très bien. Une histoire intéressante encore. Alors, le registre prisonnier machin truc. Cuckerbit. Cure bit. De toute façon, on a vu que c'était un peu un taré le chef de la prison là. Avec son truc de torture là. Prisoner Record. 1928. Donc ça crée un salt. Et salt, c'est knock. Knock, attends, j'écris mal. Knock 1.
Winter 1. Alors c'est du souvenir qui sont pas très puissants mais qui sont pratiques pour les pour faire monter les leçons par contre. Plein de types comme ça. Hop, c'est parti. On le range. On le range, on le range. Le Soul c'est là je crois, non? Non, c'est un de ces petits. Est-ce qu'on a la place de le mettre? Yes. Ok, et du coup, ça nous apprend Hill of Hollow de niveau 3. Alors, il nous faut du Moon. On aurait Cerise si on voulait le monter de niveau. On a un souvenir qui colle. Il nous faudrait deux autres souvenirs. Et on a deux aspects, donc c'est jouable. Un Moon et un Scale. Moon et un Scale. Encore des trucs qu'on n'a pas trop, ça. Hein. On a un Intuition, ici. Qui pourrait servir. On va le lire avec toi. Et on a un Fear, également. Et ici, je peux le lire avec Faust. C'est parti. Ça, on va monter au moins une leçon. Ça sera déjà pas mal. Ici, on récupère notre livre, que je pense qu'on va lire. Hein. C'est du phrygien, on peut le lire, si c'est un truc assez rare. Donc on le lira demain, on va le garder dans l'inventaire. Bon. Ici, ça travaille. Alors lui, du coup... Il faut qu'on prépare la suite. On a dit qu'en termes d'outils, on n'avait pas d'outils de type Nock. Et ça, c'était bien triste. On a la chandelle. On a des livres, on a des trucs par là. C'est quoi ça? Des boîtes. Des boîtes qu'on pourrait ouvrir, tiens. Encore des boîtes qu'on pourrait ouvrir. Merde, elles étaient où? Là. Bon, on pourrait en ouvrir une. Ça, c'est un outil. Hein. Ouais, mais c'est du Edge. Là. Donc, on a besoin de celui-là pour la leçon. Donc, on va utiliser celui-là pour ouvrir la boîte. On verra bien ce qu'il y a dedans. On verra bien ce qu'il y a dedans. Ah, on fait une chandelle, je pense. Hein. Ah, là, il y a de la boisson là, de type Nock, là. Une petite tisane. C'est quoi ce tout petit machin? Une tisane aussi. Ok. C'est étrange qu'on n'ait pas d'outils de Nock. La clé nous a jamais servi à rien, quoi. Elle est là, dans l'entrée, hein, depuis tout à l'heure. Bon, après, c'est la clé de Ashaus, hein, donc... en vrai, peut-être qu'elle nous aurait servi là si on avait, si on l'avait pas trouvé d'une autre manière, mais... Ouais. Non, bah, j'ai pas l'impression qu'on ait ce qu'il faut. Du coup, on va faire sans. C'est pas grave. Voilà, donc il est rendu à combien, là? Mais on a le souvenir qui l'attend, hein. Normalement. Voilà, on va pouvoir mettre le souvenir, déjà, ça va lui faire un petit boost. Passer à 10. Et on voulait du 12. Donc il va passer à 10. Avec ça, il va passer à 11. C'est pas assez. C'est pas assez. Donc du coup, il va falloir lui filer une petite chandelle. Et du coup, tant qu'à faire, on pourra lui donner une chandelle... à 2 et ne pas consommer la tisane. Ça, c'est le thé, on connaît. C'est terrible de pas avoir d'outils de type Nock, quoi. Que je l'aurais raté. Là, il y a des trucs qui clignotent. C'est quoi ça?
Ah, de l'eau. De l'eau qui donne 2 nœuds noc, tiens. Intéressant. Est-ce qu'on peut le servir? Hop, là, pour éviter de tout consommer. On peut. Alors, là, on a récupéré un souvenir. Là, on a récupéré un truc. Ah bah, on a récupéré du raisin, effectivement. Là, un souvenir. Et du coup, on va pouvoir aller ici travailler là-dessus. Donc toi, du coup, t'attends qu'on te serve ton verre d'eau un peu trouble. Hop. Voilà, il va être à 12. Excellent. J'ai pas entendu le bruit, mais on a peut-être ouvert la pièce là. Oui, on a ouvert la pièce. Ah bah oui, mais c'est celle que j'ai été voir du coup. La nouvelle pièce. On a quoi? Du café, des pilchards, du mead, de l'hydromel, du miel, la cuisine du coup de la prison, un peu de farine, un peu d'ayengro, divers confitures. Le kitchen blow, ok, bon, pas très intéressant malheureusement. Pas très intéressant. Pièce a été visitée par les vers, avec une majuscule. Les abominations de ceux qui aiment les reliques. Mais il n'y a presque plus aucune trace. Et salut Falsing, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. La belle cuisine pour les prisonniers, t'as vu, hein, ça fait rêver, hein. Ils ont aussi un sympathique petit endroit où manger, juste à côté. Non, ils ont surtout un sympathique petit endroit où être torturé quand ils sont pas gentils. Voilà, Falsagué, la salle de torture, c'est là. Le magnifique Condignator, de son petit nom. Non, on l'a découvert tout à l'heure. Alors, hop, là on a pour head out le petit verre. On va le mettre ici pour pas le confondre avec les verres d'eau standard. Après, moi j'aimerais bien trouver où est-ce qu'on ramasse, parce qu'ils ont droit à de l'eau pleine de poussière là, mais elle est cool l'eau pleine de poussière. J'aimerais bien trouver comment on fait. Mist qui cède water. Est-ce qu'il faudrait que je la mette à bouillir ou un truc du style? Il y a certainement moyen d'en fabriquer. Alors là, on a trouvé quoi? Un journal. Il date de l'année où Hush House a été abandonné. Ah ouais, en termes d'objets pourraves. Oh la vache! L'objet de merde, quoi. Tu peux pas le lire? Je sais pas, est-ce que je peux le lire? Peut-être. Mais j'ai besoin de mon soul pour ma leçon, là. Mais oui, peut-être que je peux le lire. Alors, tac, 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 et tac. On va passer à le niveau de ça. Est-ce que Chobiti va bien? Eh bien, est-ce que tu vas bien, Chobiti? Je sais pas si tu l'as entendu parce qu'elle parle hyper bas, mais c'était un petit oui, ça va. Ok, bah c'est pas mal quand même pour la journée. Hein. On a une journée bien remplie. L'ingénieur, on verra si elle est toujours demain. Si elle est toujours là demain. Tu l'as pas entendu, mais tu vas me faire confiance. C'est gentil de ta part. Alors, est-ce qu'on va pouvoir. Alors déjà, est-ce qu'on peut garder un truc? Non, je crois que notre lit. Ah si, on pourrait garder la Revelation. On va la garder sous la main. Ça mange pas de pain au cas où. Et du coup. Ah, c'est de type Moon aussi. Est-ce qu'on peut avoir. On le passe au niveau 4. Est-ce qu'on peut avoir 4 souvenirs de type Moon et Scale? Je pense que c'est jouable pour le coup.
Sky, Ayrton Sky. Un, deux, trois, quatre. Ouais, parfait. On va pouvoir le monter au niveau 4 sans problème. On va commencer à faire ça dès le matin. On a ce livre-là à lire. Alors là, la grappe de raisin, on ne va pas la garder sur nous. Hein. On a plein en plus qui nous sert à que dalle. Manger, manger. Ça nous sert à manger. D'ailleurs, manger. En vrai, on peut pas manger, nous. Hein. Non, on peut pas manger. Ben non, mais c'est pour ça qu'il est là, le DLC, pour que les gens ils puissent manger à ta place. Bah, on leur donne déjà à manger. On n'a pas encore fini les portraits dans l'escalier, je crois qu'il nous en manque toujours un. Il nous manque le troisième libraire, troisième bibliothécaire. Là, on a tout. Là, on n'a pas tout. Là, on a tout. Ah, il nous en manque encore là aussi. Il nous manque le 12e bibliothécaire, le 13e bibliothécaire. Si j'ai un successeur, son image pourra être ici. Ah mais d'accord, mais ça c'est nous du coup. Cela bien sûr sera moi. Je peux utiliser ce que je veux comme mon image. Le chat. On peut mettre le chat. On peut mettre le oui, chat. Oui, on peut mettre le chat. Visiblement. Et du coup, il y a une place pour le... Notre successeur. Pour notre successeur. Ah non, pas empaillé. Non, il est pas empaillé, regarde, il fait un grand sourire. Tu connais des chats empaillés qui font des sourires, toi? Mmh. Bah du coup, pour le 13e, on va mettre le chien. Tout va bien. Et du coup, il nous manque plus que le 3e bibliothécaire, qui, avec la petite plaque qui dit « En tant que loup-garou, nous ne pouvons pas parler, et du coup, nous devons rester silencieux. » En tant que loup-garou ? Bah oui, en tant que loup-garou, c'est pas bien ma faute, hein, c'est ce qui est écrit. Were-of. Ah non, c'est pas werewolf, pardon, c'est were-of, excusez-moi. Où nous ne pouvons pas parler, nous devons rester silencieux. Oui, c'est un peu plus logique. Je l'accorde, je l'accorde. Bah du coup, on va pouvoir terminer la nuit, hein, tranquille. Il en holo level 4. Attends, pareil, c'est de l'infestation, mais c'est pas les bons trucs, quoi. C'est pas les bons trucs. D'ailleurs, on a trouvé un truc qui nous permet d'évoluer avec la scolecosophie. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait des trucs ici. Là, je peux... il y a un verre. Et du coup, ça me... Là, là, il y a un vert. Et en fait, c'est le... Bon, c'est nouveau, ça. Ajouter un visiteur pour... Ah ouais, ça doit être nouveau. Ça doit être à cause du DLC, du coup, ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. The Friar Tapestry. Ah, bah, c'est les... C'est les... C'est les trucs que j'ai eu. Ouais, ouais, c'est les trucs que j'ai eu. Mais du coup... Ascoqui, Asdamar, Waout. Oui, donc quand on pourra les faire revenir, sûrement. Quand on pourra les faire revenir avec le DLC, on pourra les mettre dans les trucs pour en savoir plus sur ce qui s'est passé. Ok, d'accord, rigolo. Bah oui, il y en a plein d'autres qui sont parus. Hein. Du coup, en scosécosophie, on avait. Le chien, on l'a fait. Les os, là, on l'a fait. Le remembrance, on l'a fait. Et le Clockwork, on l'a fait. Et du coup, le Ivory, on l'a fait. D'accord. Donc en fait, on n'a plus rien à faire en scosécosophie pour le moment. Donc le nouveau truc qu'on a découvert là-haut, là, il ne nous sert pas. Bon, bah en gros, on va attendre que la pièce s'ouvre ici. On va espérer trouver des choses. Ok. Une cellule pour les adeptes. Hein, avec un portrait de Julian Cosley. De... Alice, Lucette, Tibi, non Lucette. Ouais.
Pour nous, c'est permis. Pour vous, ce n'est pas permis. J'adore le motto du Suppression Bureau. Les mecs, quoi. Jusqu'au bout. Ah, excellent. On a trouvé un outil. Et en plus, c'est une encre. Une machine à écrire de type Winter. On va aller la ranger. Une bottle candle. Et un banc. Ici, on a du papier. On a quelques livres qu'on va pouvoir cataloguer. Et on a un lit. Avec une protection pour décourager l'accès au Mansus pendant les rêves. Ok. Fais rêver. Et du coup, tu t'en es pas débarrassé de ton journal, mais foule-le là dans l'étagère et puis... Mais non, puisqu'on veut le lire. Ah oui. J'attends, moi. Tu me dis qu'il fallait le lire. Mais oui, il faut le lire, mais... La cellule est plus jolie que la petite cabane du gardien. Ah, ça se discute quand même, hein. Franchement, il y a débat, quoi. Hein. La cabane du gardien, elle est cosy, quoi. Il y a le petit feu, les petits miroirs, le petit lit bien confortable de place. Là, ça fait froid, on va dire. Il y a de quoi se pendre, si t'en peux plus. Éventuellement. Du coup, mon inventaire est plein, donc on va aller poser ça là. Hop. Et du coup, l'outil, est-ce que je pourrais le mettre? Ah oui, c'est que c'est passé, que c'est la nuit, c'est la toute fin de nuit, tu l'as pas encore eu. J'avais pas vu. Est-ce que je peux le poser à la place du... Non. Je peux le poser là? Non. C'est trop grand, c'est ça. Le pauvre streamer qui se fait engueuler par madame car il ne fait pas les choses assez vite. Et oui, c'est terrible. Bon, elle se repent. Voilà, vu que c'est de l'encre, on va la poser là. De toute façon, on a déjà le couteau comme outil de type Winter si on veut. Puis bah du coup, terminons la journée. Hop là. Ok. Du coup, il doit nous falloir des souvenirs. Là, il nous faut 8 en rose. Donc, le truc qui fait du rose, c'est celui-là. Hein, c'est ça. Faites. On est à 3 plus 6. Donc, ok, on peut le faire direct. On va le faire direct. Un livre où on peut faire du rose, par contre. Un bureau. Ok, ici. Tac. Tac. Voilà. On est à 9, c'est ça. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, on a un truc à 13 de Winter. Ok. Et ici, à 13 de Nock. On pourrait rouvrir ces deux salles-là, je pense. Ici, il reste 0,4 secondes. Ok, on va attendre. On va regarder ce que ça fait. Ok, on a, comme prévu, récupéré le truc qui va nous permettre de débloquer ça. Donc on va le faire, du coup. Et on va générer nos souvenirs. Alors, il nous fallait, on a dit, Moon et Scale. Normalement, on était large. Alors, il faut juste qu'on fasse attention à garder ce qu'il nous faut. Hop, un Shaft. Ça a été un contradiction. Merde. Viens là, toi. Il y a déjà un truc dans celui-là. Ah oui, il y a déjà un truc. Hop là. On va le lire avec un Faust de base. Il faudra aussi qu'on refasse de la préparation de Salomon, tiens. Le problème, c'est que tant qu'on travaille avec le Mr. Kyle, on a besoin de nos whist. On va faire un co-funding parable. Ici. On va pouvoir lire avec un else de base. Et on va attendre le truc du jour, qui sera peut-être utile. Et on va du coup lire le journal pour voir ce que ça fait. Alors avec quoi on va le lire? Un ereb de base. Allons-y. Investigate the object.
Et du coup, on va faire venir toi. Et on va aller regarder un petit peu ici qu'il y a d'intéressant. Est-ce qu'il y a... Ah, tu veux... Bah, prends-le le chocobon, hein, Chobiti, je tourne là. Tu en veux pas ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a rêvé de notre memory, et du coup on a du Grail. Ah, qui a 3 de Sky ou 3 de Earth. Intéressant. Est-ce que ça peut nous servir ? Là, éventuellement, mais 3 de Sky. Si on décidait d'utiliser son Sky plutôt que son Winter, il a 1, donc avec ça on serait à 4. 4 plus 3. On a un outil à 1 et 8. 8, il faudrait qu'on arrive à trouver 3 en boisson et compagnie. Ça m'étonnerait qu'on ait grand chose de type Sky. Ouais, non, c'est ça, on a rien. Ces trucs, on a rien. Si, on a une tisane là. Donne 1. C'est de la merde. Comment ça, c'est de la merde? C'est du lapsang de chouchang d'une godesse. Ah ouais, 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 non, mais oui. Mais c'est pas suffisant si tu veux. Si tu préfères. Name for an enigmatic minor deity whose charge is the healing of burns. Et après, tu te moques de mon accent, quoi. Ah oui, complètement. Eh ben... I am, qui se fout de la charité. Il y a un franchouillard accent plus plus. Franchouillard accent. Bon, on va attendre les 60 secondes là de voir qui est disponible. Mais on va rester sur notre idée de faire du winter, je pense. D'ailleurs, on va générer le numen. Ici. Comme ça. Voilà. Donc il nous faut le langage. Hop. Un skill. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Un short de base, allons-y. C'est parti. Comme ça on génère notre petit souvenir. Et toi mon cher, on va discuter hiver. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce journal d'intéressant? Alors... Rien qui vaille le coup. Très intéressant. Oh! Oh bah si, c'est carrément intéressant! On est capable de générer Occult Scrap. 2 de Nog, 2 de Moss, 2 de Rose, Evolve via Orochemistry, un Omen. Excellent! Comme quoi, ça vaut le coup de regarder les trucs à la con! Bah surtout que là, je me disais, bah non, y a rien, c'est de la daube. Mais en fait, non, c'est... Les histoires secrètes qui sont en dessous de celles que l'on connaît. Comme les notes sur du vin rare. Le bibliothécaire connaît ça très bien. Ok, donc. On va le noter du coup comme un livre. Hein. Merde, j'ai rangé ma mine de crayon. Le Yellow Wing Newspaper. Mettre la petite étoile. Donc, ça donne Occult Scrap. Qui est de type Moss, ça peut peut-être nous permettre de faire des choses avec les leçons. Occult Scrap. Merci, Falsag. Merci, Falsag, de confirmer que Chobiti a raison. Knock 2. Moss 2. Rose. 2 Numen, non, Omen, et on a dit c'est de l'Auromachistry, c'est ça, ouais. Auromachistry, Auromachistry,
Alors, où est-ce qu'on va le ranger ce journal? Normalement, on a encore une place là. Voilà, parfait. Occulte, scrap. Non, majuscule. Occulte, scrap. Omen, Nog 2, Moss 2, Rose 2, Oromapistri. Alors, voilà. Excellent. Et du coup, c'était toi qui avais besoin de Moss et de Grail, mais il nous en fallait 6. Hein. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. On va vérifier, mais... Donc là, avec lui, on a 1. On a dit Moss et Grail, donc 1. Je le régénère lui pour savoir à quoi il sert exactement. Ça fait toujours que 1. Ça fait toujours que 1. 2. 2. 2. 2. Scale. Il nous en manque toujours un, mais si on a un temps qui tombe au bon moment, on pourra faire. Alors toi, c'est pas bon par exemple. Et lui est de type Moss aussi. Et je me demande si pareil, lui, on n'était pas juste. Il faut Moss et Lanterne. Donc du coup, on en a un avec le, avec celui-là. Deux. Deux, deux, deux. Deux. Nope, Winter, non. Trois. Trois, trois, trois. Nerf. Il n'y en a pas normalement. Donc on a 3, 4, 5. Donc c'est pareil. Il nous faudrait un temps. Donc en gros, si on a un temps de type Moss qui tombe ou un temps de type Lanterne qui tombe, on peut monter nos trucs. On peut monter nos trucs. Ça, c'est cool. Ça, c'est quand même bien cool. Il est évolue via Oromakistry. On va regarder du coup si ça vaudra pas le coup. Alors. Hop. Donc, on a la lanterne. C'est déjà fait. Ça, c'est l'édict inviolable qui ferait à tune un metal, mais on n'en a qu'un. Ink of Power, c'est fait. Et Sacralimae, c'est fait. Ok. Donc, si on avait un deuxième metal, pourquoi pas, mais il nous servira pas à ça pour le moment. Ok. Donc du coup, il nous reste à voir qui y a d'intéressant dans cette taverne. Hop, toi, on va te donner le couteau. On continue de monter tranquillement ton Winter. Attendant que le reste soit prêt. On va faire quoi avec tout ça? On va faire quoi avec tout ça? On pourrait retourner cultiver un peu, hein. Faire un petit peu de... De trucs d'insectes, là. Ils sont où les insectes? Stone Story... Il semblait que tiens qu'on avait trouvé un truc sur les insectes. Ah oui, là, insectes et nectar.
On va le prendre, même si normalement ça change que dalle. Et en scale, on a quoi en scale? Ce serait un peu élevé. Ouais, mettre un scale, ça nous met un petit 7. Peut-être que ça me donne plus de chance d'avoir des choses. Normalement non, mais bon. Si on n'essaye pas, hein, on ne saura pas. Et du coup, ici... C'est nourishing vegetable in summer on... automne, donc là ça veut dire qu'il n'y a rien à y faire du coup. Oui, je suis d'accord avec toi, ça, que t'as des livres à identifier. C'est ça, il n'y a rien à faire. J'ai des livres à identifier, tout à fait, ouais. Et salut Serial Killer, bienvenue sur le live. Quel est donc ce jeu étrange? C'est Book of Wars. C'est le deuxième jeu de ceux qu'on fait, Cultist Simulator, si tu connais, qui est un peu plus connu. C'est un RPG en gros, mais sans combat. C'est un RPG où on est en gros bombardé bibliothécaire de Hush House, cette sympathique maison. Et on doit tout simplement progresser dans les pièces en les débloquant, en travaillant avec des gens du CRU pour débloquer les pièces, etc., qui va nous permettre de trouver des livres. Et on doit petit à petit monter de niveau, lire les livres, apprendre des souvenirs, améliorer ce qui s'appelle nos aspects, ou les compétences qu'on débloque, toutes les compétences qu'on débloque, les langages qu'on débloque, etc. Et du coup, ça se joue un peu comme ça se joue avec des cartes en fait. C'est le côté Cultist Simulator avec des cartes, mais du coup, on a une vraie zone, un vrai plateau de jeu. Si tu connais Cultist Simulator, ça se joue juste sur une table. Là, on a vraiment tout un univers, enfin un univers, une zone quoi où on peut interagir. Une île. C'est quoi cette pièce sous le puits? Ici là, bah c'est toutes les pièces sous le puits. Le puits descend jusqu'ici prendre de l'eau et là, on a trouvé une pompe. Dont on s'est servi pour enfin, dont on est en train de se servir pour essayer d'enlever l'eau dans les pièces en dessous. En gros, la pompe, il lui faut un skill de type forge unlock, un soul de type forge unlock, du carburant et deux pièces de métal, donc c'est assez cher. Et ça nous génère un truc spécial qui permet de défloud d'enlever l'inondation des levels. Mais c'est la première, donc je ne sais pas encore si une fois que ce sera fait, la pièce sera débloquée ou s'il faudra que j'envoie quelqu'un s'en occuper. Ah, ça serait trop simple. Bah, pas forcément, hein. Ouais, c'est un symbole d'eau, ouais, c'est flooded. Pas forcément, parce qu'en vrai, la plupart des pièces, on envoie des gens parce qu'elles sont pas, elles sont coincées, il faut les nettoyer, il faut les réparer, etc. Donc là, ça serait légitime qu'une fois qu'on a enlevé l'eau, ça soit fonctionnel. C'est intrigant. Ouais, bah en fait, je suis tombé totalement amoureux du concept du jeu. Il y a énormément, énormément de trucs à lire. Le problème, c'est qu'il n'est qu'en anglais, malheureusement. Mais il y a énormément, énormément de choses à lire, de choses à faire. Les livres, tous les livres sont vraiment très intéressants. Ils vont nous générer ce qu'ils appellent des souvenirs. On voit par exemple ici des souvenirs, là, qui sont temporaires, qui ne restent que la journée. Et qu'il faut qu'on utilise. Bah là, d'ailleurs, je vais en utiliser 4 pour monter nos compétences qu'on doit utiliser pour améliorer les gens qu'on recrute pour nous aider. Enfin, c'est vraiment le jeu est vraiment vraiment cool. Il y a beaucoup beaucoup de choses. C'est un des premiers jeux depuis très longtemps, depuis les Myst et Associés, où j'ai dû ressortir un carnet pour écrire des trucs sur le papier parce que je pouvais pas tout retenir quoi. Alors, on a un peintre surréaliste hein, qui sait faire du rose, du moss et du grêle. Ça, c'est intéressant. Après, on va pas se mentir, le jeu c'est hyper complexe parce que t'as 9 aspects et du coup, les 9, ils m'entendent pas là, si. Si, je pense qu'ils t'entendent, la jauge monte. Et du coup, les combinaisons de portes à ouvrir avec les aspects, de livres à ouvrir avec les aspects, de compétences avec les aspects, de pouvoir faire monter les aspects avec d'autres aspects, Ouais. c'est très dense. C'est très très dense, ouais. Le concept est simple à comprendre une fois que tu l'as compris. Et encore parce que il faut quand même. La réalisation est compliquée, Au quoi. début, t'es lancé dedans, t'as pas de tuto, tu peux te perdre, quoi. Tu peux te dire, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce jeu? Ouais, ça c'est très. Alors ça c'est les devs hein, qui fonctionnent comme ça. C'était pareil avec Cultist Simulator, t'es balancé dans le jeu. T'arrives sur la plage, tu sais que t'étais censé venir sur l'île en bateau et puis que ton bateau a coulé, et après c'est démerde-toi. Tu sais pas ce que tu dois faire, comment, pourquoi. J'en ai fait que 4, j'en ai fait que 3 des souvenirs. Merde, j'en ai fait que 3.
Ah non, parce que j'ai le numen qui est en train de se générer. Ouais, c'est pas très rentable, on va faire un fir vite fait. Alors là, tu vois, par exemple, pour monter ce souvenir-là, cette compétence-là, level 4, pour la monter level 5, il faut avoir une leçon qui colle, donc il faut trouver les livres à lire qui vont te donner les bonnes leçons, et après, il faut des mémories, des souvenirs qui collent aussi, et il en faut autant que le niveau du skill. Donc là, il en faut 4 différents, on peut en avoir qu'un seul de chaque type en même temps, donc il en faut 4 forcément différents. Qui vont coller, donc qui sont soit d'aspect Moon, soit d'aspect Scale, par exemple, ici, pour cette compétence-là. Et c'est tout ces intrications, etc., qui rendent le jeu hyper intéressant, mais aussi, de fait, plutôt complexe. Par contre, il faut que tu maîtrises l'anglais, malheureusement, parce que non seulement le jeu est entièrement en anglais, mais en plus, il se passe dans les années 30. Donc, par exemple, pour la monnaie, on a galéré parce que c'est la monnaie pré-empire de l'Empire britannique. Ça se passe en Angleterre. Et donc, c'est des trucs en puissance de 12, en puissance de 15. Enfin, c'est n'importe quoi leur monnaie à l'époque. Et c'est ça, c'est il y a une ambiance aussi très Lovecraftienne. Ils sont très forts avec ça, les développeurs. Tous les livres, en fait. Décrivent le monde qu'ils ont inventé, mais c'est très, tu vois, je sais pas si t'as déjà lu du Lovecraft vraiment, mais c'est, y a rien de très précis dans les descriptions, c'est toujours nébuleux, c'est toujours du descriptif de ce que fait la créature, mais jamais la créature elle-même, etc. Donc les textes sont hyper sympas à lire, les traductions que j'en fais à la volée sont des fois ressemblent à rien, mais c'est hyper intéressant. Et donc là, du coup, on avait trouvé quelqu'un qui sait faire du rose. Et le rose, ça m'intéresse. Super. Du coup, il est à 4. Donc là, par exemple, ce personnage-là, je pourrais l'embaucher pour 24 pence pour qu'il m'aide à ouvrir une pièce. Mais il va venir avec ces 4 aspects-là. Par exemple, pour ouvrir cette pièce-là, il me faudrait 12. Et je sais que eux, quand on les recrute, ils ont 4 de base. Donc il va falloir que je le fasse monter à 12. En lui parlant de souvenirs, en lui parlant du temps, en lui donnant des outils, etc. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Rose. Rose, rose, rose. C'est lequel déjà? Je crois que je l'ai déjà cramé pour la journée, ouais. Il me semble que je l'ai cramé pour la journée, malheureusement. Il doit être en train de travailler quelque part parce que je le vois pas. Ok, donc bof, le grêle ça nous intéresse moyen, le moss. Est-ce que le moss nous intéresse? Là c'est du scale. Il y a un 14 ici de moss. 14 c'est chaud quand même, hein. On a 3, ouais, non, on peut pas atteindre 14. Mais on peut faire un 11 ou un 12 de rose, je pense. Au pire, on reposera l'aspect qu'il faut. Quand il aura fini de travailler, je pense que ça doit être lui. Non, j'avais mis un else ici. Il doit être en train de travailler quelque part. Ouais, c'est lui, c'est fait. Ok. Donc là, on est en train d'apprendre une leçon en lisant ce livre. Donc il faudra qu'on le repose. Il est sûrement à sa deuxième occurrence. Il reste encore 60 secondes. Donc on peut le recruter. Ah, faut qu'on attende de pouvoir lui parler, parce qu'on ne peut parler qu'à une seule personne à la fois. Alors, hop, là, on a récupéré ce souvenir. Excellent. Et donc toi, t'es à 7. On va discuter du numène. Tu vas passer à 11. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai mon assistant là. Lui, il arrive avec 2 de Winter et je veux le faire monter à 12. Donc je lui ai parlé, je lui ai donné des outils, etc. Et là, on va parler avec ce souvenir-là qui vaut 5, ce qui va le faire passer à 11. Et je crois que c'est 11 que je voulais, ou 12, ou 13. 13, c'est 13. Ok, c'est 13. Donc là, c'est un peu juste. Il va falloir qu'on continue de le travailler au corps. Il y a un système d'échec ou de game over dans le jeu. Alors dans ce jeu-là, non.
Tu peux pas techniquement perdre. Tu peux passer beaucoup de temps à faire certaines choses, hein, si tu trouves pas certains concepts ou si tu découvres des trucs, vraiment, tu vois, c'est ma première partie, hein. Tu découvres petit à petit les choses. Mais techniquement, tu peux pas perdre. C'est ta première partie complète, parce que le tuto jusqu'au moment où tu as ouvert la porte de la maison, tu l'as fait au moins 50 fois. Oh, je l'ai fait 5 fois. Oui. Bah, en fait, si tu veux, Serial Killer, sur la chaîne YouTube, j'ai commencé cette partie avec un premier épisode sur comment bien démarrer sur le jeu. Donc, si tu veux, tu peux voir le premier épisode que j'ai fait, comment bien démarrer sur le jeu. Pour choisir un peu, en fait, il y a plein de chemins. C'est un RPG, donc au début, les choix que tu fais vont définir qui t'es, le chemin que tu prends, comment tu vas démarrer, etc. Donc, il y a plein de chemins pour démarrer. Et c'est vraiment. Moi, j'en ai choisi un qui, à mon sens, est le plus simple pour démarrer, mais qui n'est pas du tout le seul. Et dans la vidéo, je le montre comment j'ai fait, donc c'est vraiment un exemple, entre guillemets. Donc là, il faut qu'on le fasse monter encore un peu. On va lui donner un petit verre d'eau. Voilà, petit verre d'eau, il va monter à 12. Et après, on lui donnera une petite courge, par exemple. Une courge, c'est bien. Ouais, ça ils peuvent pas le. Ça c'est du remain, ils peuvent pas le manger. Il peut faire un câlin au chat. Non, il peut pas faire de câlin au chat. Puis de toute façon, le chat, il est pas de type winter, je crois pas. Le chat, on l'a mis ici. Non, le chien non plus. Après, il doit y avoir des animaux là. Lui, je pense qu'il doit bien être de type winter. Non, il est de type moon. Ça c'est pas un œuf. Tortue. Tortue, elle est de type sky et scale. Donc non, on n'a pas d'animaux a priori pour le moment en tout cas. Là, il y a un œuf de mouette. On pourrait peut-être faire éclore. Pas eu déjà deux mouettes? On avait fait une de mouette, mais justement, je la retrouve pas. Non, il me semblait qu'on en a une de base. Ouais, là. Ah Bah non. non, non, c'est juste Si, de la c'est juste déco. C'est juste un décor, ouais. Il y a l'œuf de vipère aussi qu'il faut qu'on fasse éclore. Il y a lui. Non. Si, c'est lui, c'est un animal. Mais il n'est pas de type winter. Je crois que il y a les poules, peut-être. Non, les poules, elles sont pas de type winter. Il y a la vipère qu'il faut qu'on fasse éclore. Et puis, bah, du coup, il y a la mouette. Aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a masterisé le Conquersome Diawiz. Alors, le journal d'un explorateur et meurtrier, Lars Westergun. Oh, ça va être sympa à lire encore ça. Alors, il y a des maps légendaires, des cartes légendaires, il y a des cartes de légende et il y a les légendes des cartes. Waouh, ok, ça commence bien. Alors, les aspects du Munsus. Alors, le Munsus, c'est le panthéon en gros du jeu. Subsiste dans toutes celles-là, plus ou moins de la même manière que vous trouvez de l'eau dans un marais. Dans un verre et dans le ciel. Ok, très bien. Alors, Westergren décrit une série d'expéditions dans le Munsus. Il se focus sur les détails de l'expérience, les couleurs, les sensations, les textures, plutôt que sur les choses pratiques. Il le prévient cependant que le Munsus change tous les ans, bien qu'il rassure le lecteur que les portes sont toujours les mêmes. Les portes peuvent se fermer, mais elles ne disparaissent jamais. En tout cas, pas tant qu'il y a des mortels dans le monde sus, nous sommes comme des petites souris. Parfait. Alors qu'est-ce qu'il génère? Il génère une intuition, lui. Alors, on va noter. Alors si tu joues au jeu, je te conseille de noter tous les livres qu'est-ce qu'il génère comme souvenir. The Conquersome. Diawiz. Donc moi je les note sur un cahier, mais je vais te montrer après en jeu, il y a moyen de les classer aussi directement en jeu. Donc ça génère une memory intuition. Et donc intuition, ça donne moon 2 et rose 2. Et non, c'est une des difficultés du jeu, enfin une difficulté c'est conçu comme ça, il n'y a pas de codex en fait. Il faut apprendre et noter tout ce que tu fais.
Après, il y a des facilités. Tu vois, par exemple, tu as des bookshelves pour en ranger tes livres et tu peux mettre des petites notes. Donc, en fait, tu peux faire ton propre codex, quoi. Tu vois, par exemple, là, dans celui-là, je range les livres qui donnent un beginning memory et un melody et j'ai noté que ça donne ce truc-là. Mais il y a moyen de créer des souvenirs ou de créer des choses avec plein d'autres trucs. Tu vois, on va trouver plein de choses dans le. Dans la maison. Tous ces trucs-là, tu vois, ici, des équipements, il y a des bureaux, des instruments de musique. Quand on descend un peu dans les étages, on va trouver de quoi cuisiner, etc. Et en fait, tu vois, en bas, il y a des challenges. Et en gros, tous ces trucs-là, tu peux mettre dedans au maximum 4, mais des fois, c'est moins, types d'aspects. Donc ici, on peut, par exemple, on peut utiliser des aspects de type scale, des compétences de type scale, des compétences de type air, de type nectar et de type grail. C'est le nom de ces 4-là. Et si tu arrives à remplir des challenges, tu peux crafter des choses. Et des fois, tu peux crafter des souvenirs, tu peux crafter des objets, tu peux crafter de la bouffe, tu peux crafter plein de choses. Donc là, par exemple, si on mettait du Grail, donc Ereb, par exemple, c'est du Grail, on voit que j'ai 4. Si je mets un skill de type Grail, on voit que j'ai 12. Et tu vois, là, avec 5 de Nock, je peux crafter ce truc-là. Et avec 5 de Grail, je peux crafter ce truc-là. Et ça ne me dit pas ce que c'est démerde-toi. Donc il faut que tu le craftes une fois, que tu le notes, ou que tu t'en souviennes, ou etc. C'est tu construis ton codex toi-même en fait et les choses qui te sont utiles toi-même. Ici, on a généré un souvenir, le souvenir qui nous manquait, donc on va pouvoir se mettre sur notre leçon. Toc. Donc maintenant on a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ah oui, on a généré une intuition qui match. Alors attends, du coup, tu fais quoi toi, du moon et du rose? On va t'enlever. On va mettre celui-là plutôt. Et il faut un effort du coup de type Moon, donc toi. Voilà. Et là, tu vois, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux le passer au level 5. C'est parti. Et une fois que tu montes tes compétences de niveau, tu vas pouvoir les mettre dans l'arbre de la sagesse, qui est un peu grand. Et en fait, plus tu progresses dans l'arbre de la sagesse, plus ça va te débloquer des aspects, ça va te permettre d'améliorer tes aspects. Tu vois, tous ceux qui ont plus, là ou plus. C'est que j'ai réussi à merger deux aspects de niveau 1 pour passer au niveau 2, ou deux aspects de niveau 2 pour passer au niveau 3, etc. Donc t'as plein de trucs à faire, tu vas avoir des livres qui sont maudits, qu'il va falloir démaudir. Tu vas avoir à chaque saison, t'as un système de temps qui passe en haut, là on est au printemps. Donc à chaque saison, tu vas pouvoir faire des choses différentes. Par exemple, cultiver des fleurs ou des légumes différents. À chaque début de saison, tu vas avoir des invités qui vont venir, qui vont te demander des livres, puisque après tout, t'es bibliothécaire. Et qui vont te payer pour que tu leur donnes des livres de certains types, d'une certaine, des choses qu'ils cherchent, etc. Il y a vraiment énormément de trucs à faire. Donc là, on a débloqué une intuition qui est de type Moon et Rose. Ok. Et du coup, celui-là, on le connaissait pas, je crois. Hein. Pass and Pilgrim. Ça ne me dit rien, cette compétence. Non. On ne l'a pas. Donc ça va nous faire une nouvelle petite compétence de niveau 1. Parfait, et c'est Rose et Scale. Ok, cool. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le monter direct au niveau d'après. Ça, c'est cool. Bon, continuons. Ah ouais, full apprentissage tout du long, clairement. Et t'apprends toujours des nouveaux trucs. Donc là, ils ont sorti un DLC qui est sorti il y a quelques semaines. Et qui rallonge encore, qui rajoute encore plus de endgame, la possibilité de discuter avec les gens, etc. On n'a pas assez pour là, il faut 13, donc il faut qu'on lui mette encore un truc. Donc si on lui met encore un truc, on avait dit une petite courge, pour qu'il passe level 13. Et après, il faut réussir à optimiser en permanence, parce qu'il y a plein de salles à ouvrir. Enfin, optimiser, t'es pas obligé, tu peux complètement faire le jeu tranquille. Hein. Mais si tu veux faire plusieurs choses dans la même journée, il faut que tu arrives à optimiser au maximum. Parce que par exemple, là, tu vois, on est déjà midi passé. Il m'a fallu tout ce temps-là pour monter le Coffin Maker suffisamment haut. Donc si j'embauche elle, il faut que je sois sûr de réussir à la faire monter avant la fin de la journée. Parce que si je l'embauche, c'est pour une journée. Et tout ce qu'ils apprennent, ils le Et tout ce perdent. qu'ils apprennent, ils le perdent à la fin de la journée. Il faut recommencer de. Bah, pas de zéro, mais il faut redémarrer l'apprentissage, quoi. Du coup, il faut pas traîner. Alors là, dans la ruche, on a trouvé de la cire d'abeille. Ok, très bien. Non. Bah, c'est un fuel, hein, donc c'est pas si mal. Mais non, on n'a pas trouvé
On n'a pas trouvé le miel, malheureusement. On va le poser là, avec les côtés des oignons. Et ce livre-là, du coup, je l'ai pas rangé. On a dit que c'était de l'intuition. Du coup, je parle, mais il faut pas que j'oublie, parce qu'après, je sais plus ce que c'est. C'est pour ça que je les note, hein. C'est comme ça, même si j'oublie de les ranger, je sais que je peux les ranger. Donc là, on n'a plus de place dans la bibliothèque, donc on va les mettre avec les livres qui ne nous sont plus très utiles. Il n'y a plus de place, ouais, ça commence à être compliqué, hein. On va peut-être rapatrier ces livres-là aussi. Hop, on va aller les mettre dans la bibliothèque des livres à lire. Alors d'ailleurs, ça c'est du Sky de niveau 10, on pourrait le lire. Dessus, expulse. Expunge, ouais. Ah mais c'est peut-être. Attends, je suis en train de me dire que on l'a peut-être déjà lu celui-là. Et peut-être dès que j'ai déjà lu. Est-ce que quand on les a lus, il y a un autre stand dessus? Pas. Non, non. Alors attends, je vais regarder dans mon carnet. Parce que Opening the Sky Expungen, ça me dit quelque chose. Opening the Sky, c'est ça. Ok, donc ça veut dire que c'était déjà là. J'avais déjà rangé. C'est des livres qu'on a lus et qui nous intéressent pas. Je vais les remettre. Et je vais mettre ici déjà lu. Voilà. Donc on a éventuellement encore un peu de place ici. Bouger, on peut peut-être la La bouger. bougie, on peut la foutre ici par exemple. Voilà. Un peu plus de place. Juste à côté des poupées. Et là, je pense que, en vrai, je suis rentré un peu dans une boucle du jeu, c'est-à-dire que j'ai pas noté tout ce qu'on pouvait crafter. Et du coup, j'ai plus assez de souvenirs de base pour monter mes compétences. Il faudra que je note, que je commence à noter les trucs que je crafte, ce que ça fait, etc. Et c'est pas facile quand on est en live. Les Il en chopes pas aussi, dit. hein? Et non, et Chobiti, elle veut pas prendre de notes. Du coup, on va prendre ce truc-là. Chobiti, elle est à côté à me critiquer, dire que je dépense de l'argent, que j'ai oublié tel truc. Mais elle veut pas prendre de notes. Et là, elle est morte de rire. Tellement morte de rire qu'elle en tousse. Allez, on va ouvrir cette pièce. Du coup, ici, j'ai vu que ça avait ouvert aussi. J'ai pas été voir. Ok, on a une grosse chaudière des familles. La pompe de level inférieur. D'accord, donc là c'est pareil, il va falloir qu'on lui file des trucs pour du niveau 10. Mais pour l'instant, on n'a pas de pièces qui correspondent. Là, c'est bien de l'assistance qu'il faut. 15 de Winter. Vache! Et secrétaire, c'est plus vraiment ce que c'était. Ouais, t'as vu, hein. Elle est morte de rire, quoi. J'aurais besoin de donner ce qu'il faut comme matériaux et comme carburant. Et du coup, il faudra du scolar level, niveau 10 et scolar. Après, normalement, j'ai lancé une commande de métal, donc elle devrait arriver. Ça va coûter une blinde, mais c'est pas grave. Ça veut être payé, mais pas bossé. Mais exactement. Incroyable, Non. incroyable. Ça veut être nourri. C'est vrai, je la paye pas, je la nourris. Je sais pas ce qu'est le pire. Hein. Hop là, une demi-couronne, c'est 30 pence. On va l'embaucher, on va essayer de la monter en rose. Et du T'as donné coup, combien? c'est 24 pour cela. Et du coup, ils font reposer le fait aussi. Parce que, hop, on a besoin du fait. Attaque, ici on met 2 pence. On prend un petit coup et ça va reposer ça. Alors, on avait des livres à cataloguer, comme tu l'avais très bien dit, Falseag, également. Ils sont où? Ils sont là. Donc, on va cataloguer un peu. Avec un shaft, par exemple. Donc ça, Serial Killer, ces livres-là, en fait, c'est les livres qu'on trouve dans les pièces. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qui donne, etc. Il faut les cataloguer en utilisant des aspects de l'esprit. En gros, les aspects de l'esprit, ça représente l'effort qu'on choisit de dépenser. Ils sont reposés chaque matin. Et une fois qu'on les a catalogués, il faut encore réussir à les lire avec les bonnes compétences.
Et si on arrive à les lire avec les bonnes compétences, on peut apprendre la leçon qui va derrière. Et tu vois qu'il y en a quelques-uns. Ça, c'est ceux que j'ai appris. Ça, c'est ceux que j'ai appris. Ça, c'est tous ceux que je ne peux pas lire parce qu'ils sont trop forts, ou que je connais pas la langue, ou qui sont trop forts et que je connais pas la langue. Ici, c'est des livres qui sont maudits, que j'ai pas encore réussi à démaudir. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Je suis en train de me dire d'ailleurs que là, il faut avoir 7 de Winter pour ça, et qu'avec le Numen, on pourrait, hein, on pourrait faire une session démaudissage de livres, enfin désinfestation de livres. Parce que le Numen, il est à 5 de Winter, nous on a 2. Donc on devrait pouvoir démaudir tous ces livres. On fera peut-être ça demain. Donc là, on a embauché elle. Donc il faut qu'on monte son rose. Alors ça c'est persistant, donc on va partir sur ça plutôt. Toi t'es de type rose, ouais. Dans tous les cas on va l'utiliser. On va lui faire monter déjà un petit peu à 6. Il faut qu'on atteigne 12 ou 11, hein, c'est ça. 12 ou 11. Ça va pas être simple. Ouais, il faut prendre des notes systématiquement, moi je le fais même pas assez systématiquement. Mais ouais, enfin, je prends. Après, tu peux prendre ton temps, tu peux mettre pause n'importe quand, prendre le temps de lire, prendre le temps de même. Il y avait un système, alors je sais plus comment, mais il y avait même un système, c'est prévu dans le jeu, où tu peux faire une manip, je sais plus, un raccourci clavier à faire sur le texte, et ça te les met dans ton presse-papier, donc tu peux aller les copier-coller sur un traitement de texte à côté, prendre des notes sur un traitement de texte à côté si tu veux. Il est quand même bien conçu le jeu, il est pas là pour te punir, quoi. Et comme ils disent assez régulièrement dans les petits écrans de chargement, etc. T'as tout le temps. Si t'as l'impression que t'es coincé, c'est qu'il y a probablement un autre moyen de le faire, mais qui va te permettre de t'en sortir. C'est quasi impossible d'être vraiment, vraiment bloqué à mort, quoi. Et faut pas hésiter à aller utiliser le wiki si tu le souhaites, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu, donc. Toi, tu matches pas, non, toi, t'es que lanterne. Ouais. On va utiliser notre Numen pour passer level 2 du coup. C'est parti. Et l'objectif en gros pour te parler un peu du lore, hein, t'es un bibliothécaire, mais t'as un background, et en fait t'as un background de personne qui a fait une connerie. T'as causé un crime, t'as tué des gens par accident, etc. Et en gros, t'es ici pour espérer, alors pas la rédemption, parce que la rédemption, tu cherches pas la rédemption, tu cherches en fait à suffisamment monter tes capacités occultes pour pouvoir réécrire l'histoire, trouver une manière suffisamment puissante de réécrire l'histoire pour écraser ce que t'as fait. Donc t'as un journal, que moi j'ai rangé là. Et si tu trouves les bons souvenirs, si tu trouves les bonnes compétences, tu arrives à avoir monté suffisamment en compétences, tu peux réécrire l'histoire, et en gros ça termine le jeu, hein. Tu peux réécrire l'histoire pour changer le passé et changer ce que tu as fait. Alors ici on a trouvé du coup, il est de 8 degrés ce livre, et en plus il est en anglais, donc on va pouvoir le lire. Parfait, on va le garder dans notre inventaire. Celui-là, 4 de Moon. Et ça, c'est un phonographe. Ok, donc on va pouvoir le lire, enfin l'écouter. Et lui, 8 de forge, Meniscate Reflection. Ok. Bon, bah, c'est trois livres qu'on va pouvoir apprendre assez facilement. Est-ce qu'il y en a qu'on peut faire maintenant? On a notre Grail niveau 4, donc on pourrait le faire aujourd'hui si on voulait. Alors, un livre où on peut mettre du Grail. Pas un livre, un bureau. Je crois qu'il y en a un là, voilà, ce bureau-là. Tu vois, là, si je veux lire un livre qui est de type Grail, il me faut un bureau où il y a le Grail. Hop, hop, et il faut que j'atteigne 8, 8 le niveau d'énigme de 8 pour pouvoir le lire et comprendre ce qui est dedans. Donc là, j'ai 12, parce que j'ai des 8, c'est plus beaucoup maintenant, on a largement ce qu'il faut. Donc c'est parti, on va le lire. On a le temps avant la fin de la journée. Ça va peut-être être tendu pour elle par contre, mais bon. On verra. Du coup, alors on va faire le point quand même. Elle a 6 en rose maintenant. Si je me gourre pas, on va le monter de 3 avec notre truc reposé, c'est ça. Donc elle sera à 9. Il nous manquera 2.
2-2-2. Est-ce qu'on a un outil? Les poupées? Pourquoi les poupées Non, les déjà? poupées, c'est Grail. Ah. Bon, déjà, on a l'air d'avoir de quoi boire et manger. Ouais, on va pouvoir lui filer des petites belles, hein, ça fait un. Un petit verre de whisky, ouais. Est-ce qu'on a envie de lui donner un verre de whisky? Je pose la question. Peut-être en avoir besoin du verre de whisky, on ne sait pas ce qu'il y a dans la pièce. On peut lui filer. Alors ça, c'est encore plus cher, le vin, là. On va dézoomer un peu pour mieux voir. Ça, c'est quoi? On pourrait lui donner un petit coffee, une petite tasse de café. Très bien, on va lui donner une tasse de café, ça me va bien. Toc. On le met en tasse. On va aussi prendre du coup les baies sur nous. Alors le problème, hein, c'est que quand on a des trucs comme ça qui montent que de 1, ça veut dire que c'est 30 secondes à chaque fois. Donc c'est un peu long. Alors pour le moment, on n'a pas encore récupéré notre truc, notre aspect, donc on va lui filer ça. J'ai pas d'outil, hein, de type rose. Si, j'ai le globe qui est de type rose, excellent. On va pouvoir lui donner le lunar globe peut-être à la place des baies. Hop, comme ça, elles seront pas consommées, parce que le lunar globe c'est un outil, donc il n'est pas consommé. Avec ce qui nous reste là, on pourrait se crafter un petit truc, hein, je pense. Tac, on met ça. Non, c'est vrai qu'il n'est pas de type. Alors, en sky, qu'est-ce qu'on a en sky? Qu'est-ce qu'on peut faire en sky? Alors, rangez-vous. On a le Sacralimae. Alors, en sky. Mais non, c'est vrai, en sky, il faut un instrument et on peut faire un. On peut faire un souvenir. Et là. Si on fume la préparation. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre une mémoire et fumer la préparation pendant que c'est frais. Ok, on aurait un souvenir. Mais on peut pas faire de moss ici. Il nous faudra un endroit où on peut faire du sky. Du lanterne, ici. Parce que là, on peut quasiment monter à 15, je pense. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre du glace. Ah, on pourrait commencer à préparer l'encre, la chartine, là. Ça nous aiderait, ça. Du coup, il nous faudrait un truc en verre. On doit toujours avoir des bouts de verre à la con, là. Voilà, comme ça. Et je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre dans le bureau. Il faudrait autre chose qu'un bureau, un endroit où on peut mettre du glace. Ici, est-ce que c'est type lanterne? Ouais, il y a peut-être moyen. Alors tu vois, il faut trouver aussi les trucs qui vont bien. Parce que là, je pouvais pas mettre mon petit bout de verre parce que c'était un bureau. Alors, il faut que j'aille dans le laboratoire pour pouvoir mettre le bout de verre. Donc il faut trouver les bons workshops, workbench. Avec les bons aspects dans lesquels tu vas pouvoir travailler. Et ici, du coup, on a au moins 10. On a l'objet spécial qu'il faut. Donc tous les trucs level 5, on peut les crafter sans rien, juste la compétence. Mais si on veut crafter au-dessus du niveau 10, il faut avoir l'objet qui va bien. Et si on veut aller au niveau 15, et ben là, il faut trouver l'objet qui va bien parce qu'il ne nous donne pas d'indice. Donc là, on va faire Licor Vitreus. C'est parti. Va consommer notre aspect. Et vu qu'on a dépensé pas mal de sous, on va attendre que là ça se termine et on va aller travailler à la taverne avec notre dernier là. Alors là on a passé ça level 2, parfait. Là on l'a reposé, hop. Donc il va être prêt pour papoter avec madame. Bon, un coup. Hop là. Alors, j'ai pas de lien de partenaire, malheureusement, pour ce jeu.
Mais si vous aimez ce genre de RPG, je vous invite à foncer, quoi. Si vous maîtrisez l'anglais, il y a vraiment... Y a... Après, vous pouvez attendre une promo, etc. Il n'y a pas de souci, c'est pas... Vous voyez, mais franchement, en termes de qualité, l'écriture est top. Le temps qu'ils ont passé à écrire tous les bouquins, etc., c'est top. Enfin, il est vraiment excellent. Là, on a ouvert cette pièce qui m'a l'air d'être une pièce fort sympathique encore. Le cellier Gaol. Alors, l'entrée vers le sous-cellier est barrée, verrouillée, enchaînée et gardée, que ce soit physiquement ou au-delà du physique. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, il s'est pris très au sérieux. On dirait que les worms, donc les fameux vers qui bouffent tout là, même les livres, surtout la magie des livres, ont brisé les sceaux attirés par le power, pour le pouvoir sous-dessous. Et on dirait qu'ils l'ont grandement regretté. Très bien. Alors du coup, on a trouvé quoi? Surtout des objets, visiblement. Des paquets à ouvrir. Ah, là, il y a une améthyste ampoule en verre. On n'a jamais eu ça encore. Ça, c'est un outil, mais on l'a déjà. La scie, on l'a déjà. Il y a du Solomon de préparation. On va le garder de côté, celui-là. Des mushrooms. Très bien. Un petit peu de cuivre. Il y a plein de paquets, effectivement. Du vin. Du kérosène et de la paraffine. Encore des trucs à ouvrir, de l'arsenic. Effectivement, ils voulaient pas qu'on rentre. Hein. Et c'est artisanal, hein, c'est genre avec les armoires et tout. Et dessous, il y a effectivement l'air d'avoir un truc un peu enchaîné. Incandescent Hollow. Du kérosène pour la pompe, ouais, ça va nous servir. Alors après, en vrai, le fuel, a priori, on peut mettre tout ce qu'on veut, c'est pareil, on doit avoir les aspects. Mais je pourrais mettre la cire d'abeille, tu vois, si je voulais. Si j'ai suffisamment, si j'arrive à avoir 10, puisqu'il faut 10, sans avoir besoin, sans le kérosène, je peux mettre n'importe quoi comme fuel, tant que ça a le type fuel. Donc ici, si on voulait ouvrir... Ben on pourrait, mais c'est 15. 15, on sait le faire hein, maintenant. 15 de Winter, on sait le faire. Surtout avec une préparation de Solomon en rab. Et ici, c'est 14 de Moon. Ah, il est bientôt la nuit. Non. Ça va être tendu de la faire monter à 14. Hein. J'y crois pas. À boiter? Non, non, on va la faire monter à 11, 12 sans problème, mais 14, ça me paraît chaud quand même. Là, on la récupère. On va. Merde. On va utiliser Fête. Non, on a utilisé Fête déjà. Donc, on va utiliser ça. On est à 11. On lui a donné à boire. On lui a donné à boire. On lui a pas donné à manger. Et peut-être qu'on pourrait lui donner des pigments vu que c'est une peintre, mais à moins qu'on ait un pigment vraiment efficace. Tac tac, là il y a un truc. Ouais, c'est un. C'est un, c'est un, c'est pas ouf, hein. Il y avait une pièce avec plein de pots de peinture là. On n'a aucun type rose. Là il y a une boîte à ouvrir, on va la mettre de côté. On va poser la préparation de Salomon avec les autres boissons pour la retrouver facilement. Mais même en nourriture, on n'avait que 1, donc on va pouvoir la faire monter. Là, elle va être à 11, on va la faire monter à 12 si on veut. Oh, c'est trop tendu. Oups. Non, mais c'est pas grave, hein. C'était juste l'occasion d'essayer d'ouvrir là, mais on va ouvrir le truc prévu, c'est pas grave, on va ouvrir ici. C'est pas gênant. En 30 secondes, on peut ouvrir ici. Ça sera large. Mais t'as toujours envie, hein, surtout quand t'as payé pour embaucher quelqu'un. Tu te dis, tiens, si j'arrivais à la faire monter un peu plus pour ouvrir cette pièce.
On va pouvoir mettre de côté cette, ce souvenir aussi. Hop là, là on récupère 6 pence, ce qui nous donne 1 shilling. Mais non, 6 pence, ça fait 6 pence. Oui, mais on avait déjà 6 pence. Vu qu'on a 2 shillings, on peut faire un florin. Hop là, donc ça y est, elle est à 11, elle, ça va être la nuit, on va pas grider plus. On va l'envoyer ouvrir cette pièce. Ah oui, toi, bah oui, mais de toute façon tu retournes dans le dans la pièce, toi. Merde. Rati. Je vise bien. Voilà. Et ouais, je pense que demain, on va faire une petite session démodissage de livres. Et puis peut-être la pompe, là, du coup. La pompe, on n'a même pas besoin de se faire chier avec le kérosène, hein, c'est que 10. On a le Metal plus qui est à 4 et on a des aspects là de type forge qui je pense sont assez costauds. On a 4. On a 4. Ah, on a peut-être que 4. Il va peut-être falloir qu'on booste un peu. On verra. On verra. Après, il faut mettre aussi le métal. On n'a pas encore le métal. Notre commande n'est pas arrivée encore d'ailleurs. Mais t'as eu du copper Il en faut 2. Ah. On a trouvé un truc de copper, mais il en faut 2. Et donc ici, on a crafter ce truc là qui est un type pigment d'ailleurs. Du coup il se retrouve là parce que notre inventaire est plein. Alors normalement ça on le gardait dans le coin là. Ouais, on avait déjà d'avance. Et avec ça normalement on est capable de fabriquer les encres plus qui nous permettent justement d'écrire dans notre livre. Il faut une encre de puissance pour écrire dans notre livre, pas n'importe quelle encre. La nuit est pas tombée encore. Si, on est à la nuit, là. Où est mon lit? Tac. Viens là, toi. Ici, on faisait quoi? Ah oui, c'est vrai, on masterisait ce truc-là. Alors, ça parlait de quoi? Snare of the Tree, Collected Proverbs. Alors, les proverbes de la tante Mopsy. Dis-nous tout, tante Mopsy. Alors... aller une fois dans le bois, on appelle ça une visite. Aller deux fois dans le bois, on appelle ça un voyage. Appeler trois fois dans le bois, on appelle ça notre maison. Oh, c'est tellement profond. Alors, ça c'est quoi? Ouais, comment traduire ça? Chaque tronc a ses nœuds. Celui qui est droit et celui qui est noueux. Chaque vague a plus d'absence que de contenu. Vous ne pouvez pas garder nulle part. Vous ne pouvez pas garder nulle part à l'extérieur plus que vous ne pouvez garder quelque part à l'intérieur. Je suis même pas sûr que je perde la traduction là. Mais toujours sur les Mopsy. Ah, c'est les proverbes de tante Mopsy, ouais. Ça y ressemble bien. Alors, quand le cuisinier apprend les berceuses pour s'endormir, notre sommeil est plus doux que le miel. Et c'est un confounding parable, et mince, c'est mérité. Alors, c'est Snare of the Tree. Snare of the Tree. Moi, je te propose qu'on arrête l'épisode de VOD là. Oui, il est un peu long l'épisode de VOD, je suis d'accord. Surtout vu que Falstag est parti faire son café. Confounding Parable. Je vais juste noter du coup le Confounding Parable, qui est un Moon 2. Rose 2 et Sky 2. Et t'as raison, ça fait un très bel épisode à force de parler. Donc on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. Je bois ma petite gorgée d'eau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.